Bonjour à tous, je vous prends en direction du salon Cocoon. Ce matin j'ai découvert qu'il y avait ce salon ce week-end. Ça tombait bien, on n'avait pas grand chose de prévu. Et donc on a pris des places pour aller voir ça. Le thème du salon c'est verre bouteille, alors c'est impeccable pour le thème de la chambre. Et donc on fait une petite balade parce que c'est pas très loin de chez Philippe. Et au moins pour se garer, c'est galère pour se garer. Donc on fait ça à pied. Ainsi on aura peut-être nos 5000 pas qu'il faut faire par jour. Je sais pas, c'est combien de pas normalement? 10 000. Ah, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Mais donc, ouais, là je vais sortir Google Maps pour savoir dans quel sens on va. On passe devant l'Athénium. On y est. Pas les 5. On y est. Ah ouais, très belle cette table basse. Moi je dis que le cheval en lampadaire ça donnerait bien dans l'appart. Ouais. Moi ça j'adore. Ah bah justement c'est dans le thème du film qu'on a vu hier. Ouais. Le Mans 66. C'est vrai qu'elle est belle. C'est de quelle année celle-là? 78 000 euros. 78. Oh, 78. Ah bah oui, c'est logique. Ouais, elle est belle. Je m'attendais à plus cher. C'est vrai? Ouais. Bah écoute, pour la piscine sur l'appart, enfin sur la terrasse, c'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Côté très rustique. Alors je vois pas où est le thème vert bouteille. Bah ouais, voilà, le thème vert bouteille. C'est par terre. J'aime bien, c'est joli. Allez, c'est vrai. Ouais, peut-être un peu plus foncé, tu vois. C'est cher. Mais tu vois, ils font des belles tables basses comme ça, tu vois. Oh, ouais, c'est un peu trop simple, je trouve. Même ici en. C'est joli. Le fauteuil est bon. Ouais, c'est joli. Les chaises elles sont vraiment mignonnes. Quatre couleurs comme ça, c'est super beau. J'avoue, c'est joli. Mais en vert, elles sont belles. T'as vu le lustre? Le beau, lustre hein. Est très beau. C'est pas trop beau cette lampe? C'est joli, ouais. Mais c'est faut avoir beaucoup d'espace, grand, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est joli ça. Je vais les donner, je vais passer sur cette vue là. Ouais, c'est bien. Ça c'est assez spécial, mais je trouve ça moche en fait. Ouais, les fauteuils sont mignons. C'est que c'est gonflable. Ça te donne pas envie d'aller à la piscine, l'odeur. Si. Ça, c'est l'odeur de la piscine, ouais, c'est le chlore. Ça. Bah oui, je vois. C'est pas les plus beaux frigos du monde, les Smeg. Si, si, ils sont trop beaux. Ouais, c'est des beaux tableaux. C'est vraiment beau. En plus, ça c'est le genre de truc fait à la spatule. Je pense que c'est ça le meilleur stand du monde, le pas quotidien. Ah, c'est joli, c'est tout épané. Ah, c'est fait main. Trop beau. C'est pas mal. Faut aimer, mais enfin, c'est beau. Des petits robots, on a vu que de la récup. Super bien fait. C'est vraiment de belles chaînes. Oh non. En gros, c'est des chalet, petites quoi. Maisons. Non, c'est. Chalet, ouais. Ouais. Terrible. C'est petit, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est marrant. Petit truc de déco, on a l'impression que c'est des antiquaires. Je sais même pas si c'est neuf ou si c'est l'antiquité. Non, je pense que c'est des trucs rien neufs. Hein. Le gorille est magnifique. C'est des peintures faites sur cuir. Waouh. J'adore. C'est des crochets ronds d'animaux. Ils sont trop beaux. J'adore le bruit que ça fait. Je me dis que pour des vidéos ASMR, ça serait génial. Ah ouais, c'est trop joli en fait. Voilà, déjà ressorti. Je sais même pas combien de temps on a fait le tour. Une demi-heure? Quoi, c'est par là qu'on doit aller? Et... Bon, j'avoue, on est un petit peu déçus en fait. Payer 8 euros l'entrée juste pour assister à un salon du salon. Il y avait pas des trucs de waouh. On allait surtout regarder les... Les lampes et objets de déco, mais il n'y avait pas tant que ça. Et un stand de lampes, je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. Bon, on a pris une revue peut-être pour regarder sur internet, mais franchement, bof. Et donc là, on va reprendre le train pour rentrer. Vu qu'on a la flemme de marcher maintenant, qu'on est fatigué. Et que je suis allée au sport ce matin aussi, donc ça justifie un petit peu le mal de jambes. En direction de l'Athénium. On est rentré. Et là, je suis en train de préparer des brownies
Je vais pas filmer la recette, comme ça j'irai plus vite en fait. Je me rends compte que quand je filme, ça me prend énormément de temps. Mais la recette, c'est toute simple, c'est la première recette de brownie sur laquelle vous tombez sur l'application Marmiton. Donc pas de suspense, c'est tout simple, c'est du chocolat, du beurre, faire fondre et puis mélanger dans du sucre, des œufs, un peu de farine et tout ça au four. Donc voilà, très simple et très gras et très très bon. Je sais pas si c'est cuit, mais en tout cas ça sent méga bon. Oh oui, bon, je vais le piquer pour voir. C'est encore un peu mouillé, je vais encore le laisser un petit peu. Mais vous savez quoi, c'est super bon. Et là je le mange, il est encore chaud. Oh. C'est bon. J'ai remis 5 minutes de cuisson. J'aurais peut-être dû m'arrêter un petit peu avant. Donc toujours... parce qu'il y a une croûte un peu plus dure et mieux, c'est plus mou. Mais c'est bon quand même. Hein. Mais chaud, c'est fou. Alors ça, tremper dans du café, ça va être génial. Bon voilà, installe dans le canapé. Philippe dort. Et je suis en train de lire le Batman qui rit. Je le lis malgré le fait que c'est préférable de lire Batman Metal avant. Mais j'ai lu l'introduction et l'auteur dit que ça peut se lire quand même séparément, même si c'est vrai qu'au début vous commencez, vous savez pas trop bien où vous êtes, et puis là je commence à rentrer dedans. Et vraiment, on en parle de cette couverture. Sérieux, c'est dingue. Il est 20h25 et je viens de terminer le Batman qui rit. Je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo. Je compte faire une vidéo revue de quelques comics. Je vais encore en lire un et comme ça, je pourrai vous faire la vidéo sûrement la semaine prochaine. Et je vais en profiter pour vous montrer un livre que j'ai reçu. Je suis mais tellement contente. Mais vraiment une gosse quoi. On aurait dit que c'était Noël hein, quand c'est arrivé. Sapiens, une brève histoire de l'humanité en édition limitée, donc c'est en hardback. Hein. Je vais peut-être le poser et comme ça je vous le montre. Le voilà, ce petit chef-d'œuvre, donc en hardback. C'est pas canon, il est magnifique. Et alors, bien évidemment, il est illustré en couleur. Bien sûr, il faut que je tombe sur une page où il n'y a pas d'image. Hein. Ah ben, voilà, justement. Je le trouve mais tellement beau et j'ai vraiment hâte de m'y replonger puisque je l'ai déjà écouté en livre audio et oui, je veux vraiment le relire et voir la différence d'une lecture audio et d'une lecture papier pour voir si ça me fait le même effet ou que ce soit différent et comme ça je vous ferai une vidéo aussi de ce comparatif. Et vraiment, déjà je peux vous dire que ça serait un super beau cadeau de Noël pour toute personne qui aime bien l'histoire, les réflexions assez psychologiques. Vraiment c'est un petit bijou ce truc, ça m'étonne pas qu'il ait été vendu à 6 millions d'exemplaires, tellement c'est une bombe, c'est fantastique. C'est pas que vous racontez l'histoire de l'humanité quoi, c'est vraiment vous poser des questions, avoir une réflexion... sur d'autres sujets, ouais, je l'aime d'amour, j'en parlerai jamais assez, il est sublime ce livre. J'espère qu'ils vont les éditer comme ça, pour il écrit deux autres livres, ça serait trop bien qu'il l'édite en version hardback comme ça, dans une bibliothèque, c'est top. Je pense que je vais aller dormir tôt, puisque demain, je vais passer une chouette journée avec des copines, je vous emmène avec moi, je vous garde le petit suspense. À mon avis, si vous me suivez sur Instagram... vous verrez ça demain. Enfin, vous verrez ça bien avant ce vlog, hein, parce que j'aurai pas le temps de le monter pour demain. Enfin, bref de suspense, je vais clôturer le vlog maintenant. Bon, c'était un petit vlog, mais voilà, j'ai très envie de consacrer un vlog entier pour demain. Écoutez, ben, on se dit donc à très très vite. Salut!